Chers amis de Haïti Vivant, la mission Ebenezer de Gonaïve, je vous salue. Dans quatre méditations, à ce moment, nous avons aimé aujourd'hui, à midi, à matin, nous avons regardé la généalogie de Salomon. Le sujet, c'est la généalogie du roi Salomon. Le texte nous a dit, c'est bien court, bien bref. C'est dans Matthieu chapitre 1, verset 6, deuxième fragment. Il dit, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Voilà, c'est tout. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Pour qui ça sert à le faire objet de méditation, nous, où est côté Salomon sorti? Le roi le plus sage de la terre, le roi le plus riche de la terre, dans le temps, oh, j'en oublie ça, il était grand l'argent avec l'or, aussi commun en Israël que les pierres. Même Jean Carmas, si tu vois chaque terre, comme ça, l'argent était disponible, l'or était disponible. Sage, sage, parce qu'il n'est pas cool. Ça l'écrit tout, on a répété partout dans le monde. Sage, pas qu'il n'est pas cool. Mais qui ça veut dire non? L'Éternel vient soin pour le faire noter même, écrit. C'est pas pour nous deviner, non? Il dit, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Uri, c'est qui est-ce que tu es? Même si nous en français, c'est le nom d'une femme, URIE, mais c'est le nom d'un homme, d'un chef de l'armée de David, de l'armée d'Israël, du temps du roi David. Et non, ça, c'est un homme extraordinaire. Non seulement tu es un officier valeureux, que mon doué écrit non en lettres d'or, mais il était un homme qui était patriote, un homme qui était remé pays, remé peuple. Mais l'histoire racontait que David était tombé amoureux de Madame Uri, de Bathsheba. Et puis, il dit non, que tu pourrais chercher Madame là, et puis par malheur, on se coua, boum, un petit collé, et puis, Madame l'enceinte pour David. En bien, David parle ça pour le fait. Il fait chercher le chef là, qui est Uri. Il dit rentre, il a besoin de monsieur Vini. On fait un petit peu à la veille, on va remplir en de cause de Dili, comme si vous le montrez une porte là. Il dit qu'on bagaille vraiment pour le dire. Mais après ça, il dit mais alors, il a caillou, demain, on va retourner sur le champ de bataille. Ça devait de décoller un petit encore Uri. Et mes amis, ça a commencé grave. Premièrement, David trouvait à tomber dans l'adultère avec Madame Moon. David, le roi David. Deuxième bagarre là, mais qu'on y a la ballon coup de petit. Ben, la barrière là. L'un petit blanc dans les adultères, non. Moi-même, dormi la caille. Ben, la dure. Ce qu'on est qui j'en bataille ça là, en GDR, comment on t'a moins, on connaît qui est moins qui place moins dans la mer, en champ de bataille. Moi-même, pour m'arrêter là et quitter mes livres, mes chemins, je ne pas. Non, je n'ai pas cœur pour ça. Je ne vais pas dormir tout. On va insister, je vais résister. Ok, on va obliger quitter l'allée. Et puis, il va là pour couvrir pour monsieur. Mais qui ça, monsieur fait? Il est un mauvais, une pensée plus méchant pour monter dans la tête. Il dit, le bâche en lettre pour dire, l'arrivée pour placer lui dans le côté qui est plus dangereux dans la bataille. Et un côté que Tibla, c'est pas pour ça qu'il est entraîné. Il est arrivé, bum bum, il est tombé, il est mauvais. Bon, David connaît bon.
Il y a pas connaît carrément que petit là, ce petit Uri, c'est pour Uri que madame était enceinte. On a processé, on va soit on va dans la bataille là, on va conserver madame Devini là, Kaila. Non, bagaille, personne n'est pas trop capable d'aller accuser qui que ce soit, accuser David sous Barissa. Mais l'Esprit de Dieu prend toute bagaille, ils sont des lecteurs, des reins. C'est ainsi que nous voyons prophète côté David. Il dit David, oh, quand on est qui gagne plus de cabri, même quatre comme ça, combien de cabri en pile, même. Et puis, carrément, on l'autre petit malheureux, on seul petit petit. Nous sommes allés lui prendre, pour lui quitter l'autre là sans rien. Et voilà, David a dit, oh, c'est bon, je vais mettre quatre, parce qu'il y en a un bon. Un examen est venu. Et bien entendu, excusez-moi, Majesté. Voilà, David, c'est où même lui pour ça. Oh, qui j'en. Mais lui, il va faire une rire. Ouh! Les amis. Aïe, en douleur. Et. Le prophète n'a pas besoin de plus. Péché a réveillé. Sentiment péché a réveillé. Conscience David réveillé. Parce que là, nous faisons péché, nous esclaves qu'on y a. David doit continuer à faire des gars toujours. Mais, sa serviteur a fait là, la parole de Dieu, les vivantes. Il est pour une épée à deux tranchants. Il est capable de séparer Zo avec Mouel. Il est entré dans David. Il baisse David. Il est la vif pour David. David réveillé. David connaît un seul pour commencer à prendre conscience. Regretter ça de faire. Ça fait mal. L'Éternel frappe monsieur pour bien bâtir. Il fait dit. Petit tombé gravement malade. David prend ça, lui prend sang, lui relève devant l'Éternel. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. L'Éternel pardonne sous décision, si n'est que mourir. Et il dit, David dit, moi-même, je vais le joindre un jour. Mais petit là, va tourner vite, je vais le encore. Donc, tu es levé. Là, il est bien, il retire sang sous lui, il est habillé encore, il est loyal sous lui. Il continue à vivre. Mais ça va finir là. En tout cas, toute l'histoire de David, il faut comprendre que Jean-David a un malheur qui frappe son malheur. Même dans l'émission, ça va plusieurs fois nous parler de ces gros bagailles qui arrivent dans la famille David. Petit Yon a tué l'autre, petit violé Yon l'autre. Tête chargée, problème dans la vie de David. Jusqu'à ce que David vienne repentir, tout bon et demander l'Éternel, en vraie grâce. Amen. Ça me dévoile 10 jours d'Yana. Généalogie Salomon. Salomon son nez qui fait pour mon dad, mes amis, bon Dieu, pas de même deux mondes ça aussi aller dans la cabane ensemble. Si vous êtes d'accord pour vivre ensemble, bon Dieu, pas de prendre ça au sérieux. Pour le juste pour le bénir, béni fuisant, raille les souris. Mais non, mais ça me donne vous connaissez dans le bail David. Au contraire, au lieu de prendre David, même si tu es nègre là, qu'on est à mes lèvres, je suis une belle madame nègre là, c'est pas jouissance non pour eux. N'entends ça, monsieur va gagner des cafés. Faut que je me marie pour madame, non. Et c'est lui qui déshonore nourrir. C'est lui-même qui avilit. Fait lui une femme adultère. Ah, mais c'est lui-même qui peut lever un plan pour lui. Donc c'est bon, question de rien, mais il prend le mari avec lui. Au contraire, si David vraiment repentit, chaque fois que madame ça va changer Uri. Uri a devant vivant. C'est un coup, il y a tout. N'entends ça. Un homme ou tuer un monde, mais œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Mon nom ou tué, mais ça vous fait pour capable de tuer même tout. Vous prenez un cadavre, c'est ou tuer, mais pour tuer tout. Si vous avez un gel, c'est pour te battre de pour te mettre le tout. Mais quand on a assez vie, vous prenez pour prendre vie pour tout. Comment vous prenez vie? Vous prenez un cadavre, vous m'avez avec lui, vous respirez. Mort ça a décomposé dans le néon jusqu'à ce qu'on mourit. Donc c'est mon autre tué à lui-même tout qui tue. Ou tu prends vie, il y a des plans vie pour tout. C'était comme ça va aller. Mais considérez, gagner madame ça dans le néon, ou à songer, sortir faire, même d'autres ouel là, ou tu attirer, garder sortir faire, ou tu fais venir, garder ou faire madame mon enceinte, garder ou à tromper Marie, garder ou voir Marie là mourir. Lorsque tu poses sur ça,
C'est un film qui vient abouder devant David, tout le temps David après madame ça, jusqu'à ce que mon Dieu fasse grâce, guérisse et permette que, bon, ok mon enfant, je te fais grâce. Ton péché est pardonné. Et c'est là ça, David qui a venu la paix avec tête. Donc c'est pas en question de bien content chez moi, comme madame, c'est en question plutôt, mon Dieu vient retirer. Cadavre la tenant qui t'a pas tué là, bon Dieu fait grâce. Qui cadavre a parlé mauvaise conscience là, qui cadavre a parlé mauvais souvenir là, qui cadavre a parlé question de 400 fait monsieur moins David, et puis on est comme ça encore monsieur, on sonne là comme ça mal perdu. N'est-ce pas tellement aimé peuple, n'est-ce pas tellement fidèle, n'est-ce pas tellement loyal en bon monde. Waouh! Plus, c'est lui-même qui. Amour, madame, quand ça me fait madame, je vais tirer un homme concernant la ville qui doit vivre avec lui. Waouh, David a réfléchi sur tout le bagage. On ne va pas le temps pour la réjouir de ce que tu es en écoute pour madame. Donc, moi, je dis que, quel que soit sorti fait d'éternel, l'éternel est prêt pour pardonner. S'il peut pardonner David et permettre que David fasse petit à madame ça, qui est meilleur petit lui fait dans la famille, et puis qui vient remplacer lui-même David. Je ne peux pas dire avantageusement, mais de chaque nègre qui vient par eux, ça a symbolisé puissance, ça a symbolisé sagesse. Mais Salomon dépassé papa dans sagesse. Et David, pas dans Tiwa, c'est un roi qui est très sage, pendant que très puissant. Donc, moi, je viens devant nous, pour nous montrer qu'à fort grâce. Il est capable de lever ou sortir dans la boue pour te tomber et monter très haut avec vous. Mon côté va déjà me penser. C'est ça, le sens à vous tirer de généalogie de Salomon. Bon Dieu, fais le fait. Tant que c'est dans un péché ou t'as dit. Mais Dieu, bon Dieu, tu es capable de pardonner. Maman, tu es capable de pardonner. Papa David, qui fait sortir mon nez sortir là. Que bon Dieu bénisse.